Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeus, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On est en SRAM les gars, avec notre SRAM, avec son pseudo aléatoire. On se retrouve contre un Hyper Mage, premier combat. On est dans une vidéo où on va faire que taper, vous avez l'habitude. Et on a le même stuff que j'avais fait une vidéo, je sais pas si vous en rappelez, en SRAM full terre. C'est le même stuff, exactement la même chose. Sauf qu'il y a une grosse différence entre les deux vidéos, c'est que maintenant on a les variantes de sort et à l'époque il n'y avait pas les variantes de sort, donc grosse différence. Alors, on est contre un hyper mage, donc ouais, ça va être vraiment ça, le but du jeu, c'est de taper avec les rangs de sort. Parfait, il a pas bouclier élémentaire, ça va nous arranger ça. Premier combat contre un hyper mage qui a des res potables, le problème c'est que il a pas trop de resters et nous c'est que les resters qui vont nous intéresser. Hein. Et il nous met pas d'état élémentaire, bon, grosse erreur de sa part, c'est qu'il nous a pas mis dans un état élémentaire, en tout cas peut-être qu'il va le faire maintenant, non. Ça c'est dommage, hein. Il essaie de charger son tutu, non, je sais même pas s'il chargeait son tutu ou pas là. Voilà, honnêtement les gars, grosse erreur hein, je trouve. Hein. Parce que c'est super important de nous mettre dans un état, parce qu'après au prochain tour il a juste à faire empreinte et nous débuff, ça aurait pu nous faire chier, là il l'a pas fait. Bon, je vais mettre un piège d'émo sur ce truc, c'est pas spécialement pour retirer des PM, c'est juste que le but du jeu pour nous c'est ça va être de déclencher un maximum de pièges dans le début du combat, pendant les deux premiers tours, pour pouvoir déclencher les bonus de Showstrap et de Perfidy, parce que vous voyez que Perfidy coûte 4 PA, de base il en a 6 PA, et on peut l'amener jusqu'à 1 PA, et le but du jeu c'est qu'au tour 3 le sort coûte un seul PA. C'est le but du jeu, donc là j'ai fait exprès de le mettre sur le gardien élémentaire, parce que le gardien élémentaire, il va marcher dedans à un moment ou à un autre, et ça va déclencher le piège, ça va du coup déclencher un piège, et ça va augmenter les dégâts de Showstrap par exemple, et tout, vous avez compris. Je sais pas trop ce qu'il fait là, Tifo, là. Il envoie des arachnes, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Bah ah si, il a quand même un tutu, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il essayait de charger le tutu le tour d'avant, il y arrive. Il reste là le monsieur, ok. Donc là voilà, le gardien il déclenche le piège. Donc là on n'a plus grand chose à faire, on va déclencher ces deux derniers pièges, et vous allez voir qu'on sera... Une fois déclenché, les sorts coûteront 1 PA, ça va être parfait. On va même mettre des pièges de masse, je pense. Bah, c'est qu'on va déclencher ça et on va mettre pièges de masse par là. Et on va rester près de lui. Ah, ce serait bien qu'on se fasse pas trouver sous un vie. On va rester voilà, assez proche. Faut pas non plus être trop proche, faut pas qu'il puisse nous trouver. Ah, ce serait bien qu'on soit à 9 PM du mec, quoi. C'est-à-dire que je puisse aller à son cac sans rien déclencher, ça serait parfait. Et c'est ça le but du jeu dans cette vidéo, c'est de faire des one turn avec ce mode de jeu, parce que sinon le mode est pas du tout viable, ne le faites pas à la maison, vraiment, ne le faites pas, c'est pas viable du tout. C'est juste un mode vraiment juste pour le fun, pour essayer de one turn les adversaires. Oh là là, il vise juste à côté de nous, là, faut surtout pas qu'il nous trouve, parce que ça nous enlèverait un PA en fait. Faut surtout pas qu'il nous trouve, attention. Oh, il nous a pas trouvé, alors est-ce qu'il va bouger ou pas? Il déclenche un premier piège de masse, ça va lui mettre 600 dégâts. Oh, il a pas plus bougé que ça. Là, les gars, il a 4700 de vitalité. C'est le moment venu. On a le bonus nébuleux, on a le bonus, comment il s'appelle, Vulbis. C'est parti, on commence avec Perfidy qui coûte un seul PA. 1 PA, hein. 1 PA, 1200 dégâts. Ensuite, on enchaîne avec Showstrap. Ça coûte 4 PA, bim, 1400 dégâts. Et on termine. Normalement, ça va passer. Ah, ça doit passer normalement. Ah oui, de peu, hein. Franchement, s'il n'avait pas déclenché son piège de masse, ça passait pas en one turn. Là, ça passe. Et ouais, le challenge Blitzkrieg, les gars. C'est passé. Il avait quand même, franchement, il avait 5000 vita de base, un truc comme ça. 22% terre, c'est pas énorme. Mais voilà, le mode, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. On a eu de la chance sur les crits. Hein. Perfidy en crit, Showstrap en crit. On a eu de la chance à ce niveau-là. Bon, de toute façon, même sans les crits, il y avait possibilité que ça passe, c'est pas sûr. Bien joué comme Atifol, le pauvre. Le pauvre, mais il a fait une erreur. Hein. Fallait qu'il me mette dans un état élémentaire le premier tour et qu'après, il aille me debuff. Mais bon. Le but de la vidéo, c'est encore une fois une vidéo vraiment, vraiment pour rigoler, pour faire des one turns, faire du beau jeu, mais c'est pas quelque chose de viable. Vraiment, c'est comparé au Yop accumulation que vous avez montré où c'était vraiment fumé, là les dégâts c'est un peu de cet ordre là, c'est-à-dire que ça tape ultra fort, mais je pense pas que ce soit viable parce qu'il y a plein de contres possibles à ce genre de bail. A tout de suite pour un prochain combat. Alors combien de res il a? Il est Omega 13, il a quand même 34% terre, 5000 vita aussi, il a beaucoup de vita comme l'adversaire d'avant. Franchement, on joue contre des mecs qui ont beaucoup de vita, ça rajoute un peu de challenge, et on va se prendre des giga claques dès le début. On va commencer mid-life le combat, parce qu'on a des raises inexistantes, évidemment, alors là, c'est pire que tout, on n'a pas beaucoup de vita, pas beaucoup de raises, c'est-à-dire que c'est vraiment tout rien, quoi, notre tactique. Et qu'on se prend déjà une claque à moins 600, il peut sûrement en mettre une deuxième, voilà. Donc bon, on commence le combat, on n'est pas très bien, mais c'est pas grave, hein, c'est le but du jeu, enfin c'est le but du jeu. C'est le mode qui est comme ça, il faut faire avec, il n'y a pas de problème. Allez, on va lui mettre un petit piège d'immo, ça va lui faire du bien. Et on va... Faut éviter vraiment de se faire perception, parce que ça niquerait totalement combat. Déjà que là, franchement, 5000 HP sur 34% de raise, j'y crois pas trop. Sauf si on l'entame un petit peu avec des pièges de masse avant, ou s'il y a une roulette force. S'il y a une roulette force, clairement, ça peut se faire. Le contre-coup qui est lâché au mauvais moment, de la part du joueur. Donc ouais, je vais essayer de lui mettre des pièges de masse. Faudrait qu'il déclenche, mais ça va être chaud. Parce que c'est clair que s'il déclenche un ou deux pièges de masse, hein, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, donc on va voir. Ok, bon bah on va encore déclencher des pièges, c'est les deux derniers qu'il nous faut, voilà.
Et là, on a assez pour mettre deux pièges de masse. Donc, on va les foutre un peu derrière lui. Bon, il y a peu de chances qu'il les déclenche. Parce qu'il va sûrement faire perception au début de son tour. Et s'il fait ça, ben, il pourra pas les déclencher, quoi. Parce qu'il va aller voir et après, il va se dire, on va pas dedans. Roulette PM. À la fois, c'est bien. Ouais, ça peut peut-être... Vous voyez qu'il fait perception. Donc, il voit les pièges. Et du coup, bon, il va pas aller dedans. Donc, il va vraiment... On va devoir faire 5000 HP pur, quoi. Là, 5000 HP brut sur 34% de raise en plus de ça. C'est le challenge. Honnêtement, je pense pas qu'on les fait, même en full crit, je pense pas. S'il avait 24% de raise, tu vois, un peu moins de raise, j'aurais dit pourquoi pas. Là, j'y crois pas trop. Mais on va quand même tester, de toute façon, on est là pour ça. Hein. C'est dommage s'il n'y a pas une roulette force, ça aurait été magique. Hein. Une roulette force ou une roulette dommage, ça aurait pu faire le taf. Ah, c'est pas mal, ça tue le chaton. Bon, allez, de toute façon, on y va, c'est parti, faut pas se poser de questions. On commence. Allez, perfidie. Tu vois, ça tape fort, évidemment, pour un PA, c'est bien. Mais ça passera pas, je pense, non, voilà, mais c'est pas si loin, hein, honnêtement. Il se prenait le piège de masse, c'était non, ça passait pas non plus. Je pense qu'il fallait qu'il se prenne les deux. On lui a quand même fait un sale tour, hein, les gars. Hein. 4300 dégâts environ sur du 34% de raise. Hein. Ça, il faut le noter quand même. Les résistances, on le colle. Allez, donc là, c'est pas totalement loose. Que franchement, on est dans la merde. Même quand on fait un tour comme ça, c'est pas win parce que voilà, nous on a pas de raise, donc il suffit qu'il nous tape un seul tour sur nous et on est vraiment dans la merde. Il détacle et je pense que ça va être sur un coup de mentache. 1100 dégâts. Et là, est-ce qu'on fait 1200 dégâts à peu près, je pense pas honnêtement. Ouais, non, on va taper plus rien là. On va quand même essayer rapidement. Vous voyez que ça tape plus rien. Une fois qu'on a plus nos nébuleux, une fois qu'on a plus tout ça, on peut pas le tuer là. Hein. Donc on va faire comment? J'en sais rien. On va essayer de se démerder. Ça coûte ça. On va faire comme ça. Hein. Ah, j'aurais peut-être pu faire mieux là. Je me dis qu'il est en stalac. On va essayer de faire comme ça. Allez. De toute façon, faut qu'on tanque ce tour. On va essayer comme ça. On va essayer de se mettre là avec le double. Là, c'est chaud, hein, on va voir. Alors, il faut une roulette AJ. Oh bah, une roulette AJ. Là, c'est quasiment obligé que je crève. Parce que la roulette AJ, c'est du gros troll. J'ai envie de te dire, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Parce que franchement, sans la roulette AJ, je suis pas sûr qu'il gagnait. Parce que, et là, c'est quasiment obligé qu'il nous gagne avec la roulette AJ. Sans ça, il ne gagnait pas. Hein. Honnêtement, il ne gagnait pas. Là, c'est sûr qu'on perd. Putain, on a vraiment pas de bol, hein. Ah, il gagne même pas avec la roulette AJ. Waouh. Ah bah hop, non, mais là il a aucune raison de se plaindre parce qu'il a eu vraiment eu la chance de son côté. Hein. Il a même fait deux crits à la griffe de Sengal alors qu'il a pas tué. Pour vous dire à quel point il a eu du bol. Et on va gagner contre cet EK Flip. Mais bon, honnêtement, on méritait, je pense. Parce que bon, on n'a pas eu la chance de notre côté. Mais oula, putain, ça a tapé fort là aussi. Hein. Voilà, bien joué quand même à l'EK Flip. C'était un combat. De toute façon, les combats, les gars, je me répète parce qu'il y en a toujours qui comprennent pas quand on dit des choses. C'est des combats vraiment pour s'amuser, pour le fun. C'est vraiment pas des combats viables. C'est pas des combats où évidemment qu'à haute côte ça marchera jamais cette stratégie, évidemment. Mais c'est histoire de vous montrer du jeu, voilà, un petit peu différent de peut-être ce que vous voyez d'habitude. C'est vraiment pour s'amuser, histoire de voir des gros chiffres. Même combat contre un roublard, c'est parti, let's go. 35% terre, bah il a les mêmes restes que les cas qu'on a croisés juste avant, sauf que cette fois-ci il a un peu moins de vitamax. Donc si on a un peu de la chance, le combat d'avant, on n'a pas eu beaucoup de chance parce que bah sur les roulettes, mais au final j'avais fait quand même pas mal de crit, je crois, dans le tour de Rox. Et là, si on arrive à faire full crit, ou s'il se prend un piège de masse avant, en fait, si genre il a 4000 HP, je pense qu'on peut le faire. Donc on va essayer de lui caler un piège de masse histoire qu'il perde un peu de vita, tu vois. On va essayer de faire ça de suite. Hop, on déclenche comme d'habitude tout ça, et puis on va lui foutre un piège de masse. Hein. Allez, par là le piège, et on se planque par là. On reste un peu à proximité, on reste à mi-distance. En fait, faut avoir les PM suffisants pour aller à son corps à corps sans déclencher de répulsif, sinon votre tour est foiré. Enfin, sauf si le mec avait moins de résistance, j'aurais pu le tuer avec que 3 sorts. Le problème, c'est que là, on est quand même contre des mecs qui ont des raises, donc il faut au moins dépenser. Il faut faire les 4 sorts en fait. Les 4 sorts qui sont là, je le rappelle, perfidie, chose trap et double AM. Après, voilà, enfin, vous pouvez peut-être vous démerder avec des dagues Isael, vous pouvez peut-être vous démerder avec un marteau Arthur, à vous de voir. Mais là, c'est bien, il a pris mon piège de masse, les gars, ça c'est vraiment cool. Parce que là, on va encore le déclencher un piège de masse, du coup, il va vraiment être mal niveau HP, enfin mal. En fait, le truc là, c'est si Ferroblardise, on est vraiment dans la merde, quoi. Enfin, vraiment, on est dans la merde si Ferroblardise. Là, c'est clair et net, quoi. C'est pas qu'on va perdre, mais on va rater notre tour si Ferroblardise et ça va être chiant. Donc faut éviter la roublardise. Alors, de toute façon, c'est à lui de voir. Hein. La roublardise, c'est pas à nous de choisir, quoi. Est-ce que lui, il va le faire? Ça, c'est une grande question. En tout cas, on est tout prêt. Il a que 3800 HP, donc là, si on le chope au cac, c'est quasiment obligé qu'on le tue. Est-ce qu'il va roublardise? Ça, c'est la grande question du jour. Et aussi, est-ce qu'il va pas aller trop loin, hein? Parce que s'il termine genre là, déjà, je peux plus one turn, moi. Hein. Faut qu'il reste dans les parages, tu vois. Faut vraiment, c'est un peu de la chance. Mais bon, on est là pour, voilà, pour ça. Hein. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Si, ou il est pas assez loin.
Il est menthe, ça passe pas, il reste 4 PA. Alors là, est-ce qu'il va roublardiser? Bon, ça sent la roublardise quand même. Ah non, Schaffer, oula. Et il est trop loin. Ah, il manque. Attends, le Schaffer. Ah non, le Schaffer m'a laissé passer, heureusement. Normalement, c'est bon, les gars, parce qu'on a eu du bol. Hein. Mais par contre, il fallait vraiment qu'il roublardise. Je pense qu'il a fait une erreur d'inattention, c'est qu'il a pas fait gaffe que j'avais Dofus Vulbis, tout ça. Parce que franchement, si tu vois un mec en Dofus Vulbis et tout, tu te dis quand même que c'est un peu dangereux, quoi. Allez, c'est parti. 1000 dégâts pour 1 PA sur du 35%. Showstrap qui passe, c'est normal, ce qui tape le plus fort, le Showstrap. 1200, les aim qui vont terminer tranquillement, même sans crit. Bien joué à Overbrook, le pauvre. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment une erreur d'inattention, tu vois. C'est en mode, il était sur Facebook le moment où il y avait le nébuleux Vulbis, du coup, il a pas fait gaffe. Parce que sinon, tu fais forcément roublardise quand tu sais qu'il y a le Vulbis, c'est nébuleux. Ouais, simplement sous-côté les dégâts, ça c'est possible aussi quand tu connais pas le principe. Quand tu connais pas les SRAM qui peuvent te one-turn, tu sais pas que ça peut exister en fait. Donc ouais, il a juste simplement sous-côté et il préférait peut-être garder sa roublardise pour un tour où j'aurais pu le choper en étant visible avant, tu vois. Enfin, à voir. On va enchaîner les gars tout de suite. Allez, un petit cra. Osiris, il a l'initiative. Le but du jeu contre les cras, c'est de pas se faire spot à l'œil de taupe, sinon c'est clairement mort. Enfin, si on se fait spotted, c'est clairement... Oh, il a un Dofus War. Ah, ça va être intéressant contre un Dofus War. C'est cool de tomber contre Dofus War parce qu'on commence à gagner des combats, donc comme je vous le disais, on tombe contre les Ivoirs. Alors l'Ivoire, là, honnêtement, je pense que le one turn va pas être possible. Sauf si on trouve une solution. En fait, je sais pas si je mets un poison par hasard, ça déclencherait pas l'Ivoire avant. Donc de toute façon, je pense pas qu'on y arrivera parce qu'il va être trop loin. Mais ouais, je sais pas exactement comment ça marche l'Ivoire parce que je sais qu'avec épidémie, ça déclenche l'Ivoire en fin de tour. Mais est-ce que après ça le remet au début du prochain tour? Je sais pas vraiment. Honnêtement, là, je sais pas vraiment comment ça marche exactement. Parce que ça aurait été bien en fait qu'il commence le tour du jeu au tour 3, tu vois, et qu'il n'y ait pas l'Ivoire sur sa gueule. Comme ça, je me mets assez bien. Mais je sais pas exactement comment ça marche, donc bon bah tant pis. Alors, on va mettre un petit piège de masse random. Et puis on va aller se balader. On va aller se balader dans sa direction, on va aller par là. Là, faut surtout pas qu'il nous spot. S'il nous spot... Ah oui, putain, je vais avec ce truc, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, il va peut-être aller dans une direction quand même. Hein. Parce que, ouais, ça va être chaud. Hein. Après, bon, on peut gagner, ça c'est pas la question, mais... Le one turn, le but c'est quand même de one turn dans cette vidéo. Limite qu'on gagne ou qu'on perde, balèque. Mais le but c'est d'essayer de taper le plus fort possible. Donc j'aurais bien aimé, voilà, et c'est... Bah, bon, il est hors sujet, là, parfait, il a clairement l'œil de taupe dans le vide total. Très mal joué, honnêtement, enfin, très mal joué. Comment dire, l'œil de taupe, tu dois l'utiliser quand t'es sûr qu'il y a le mec, en fait. Donc limite, faut le spotted avec une flèche explo, et quand t'es sûr qu'il y a le mec, bah tu fais la taupe. Parce que là, il a plus de taupe, donc je me sens assez safe, quoi. On va tester l'épidémie que je vous disais, donc on va vraiment la tester. 4 PA, donc on va, ouais, on va y aller, on va vraiment tester ce que je vous disais avec l'épidémie de... On va sûrement se faire trouver, c'est un peu triste, mais si j'arrive à délock l'ivoire de cette manière, ça peut être vraiment sympa. Là, on va se retrouver avec une flèche explo ou je sais pas quoi. Hein. S'il nous trouve pas, on est vraiment ultra bien. S'il nous trouve pas, on est ultra bien. Après, voilà, je suis quand même vraiment simple à trouver, donc... Il faudrait pas qu'il nous trouve en marchant dans ma direction, ça me foutrait le seum. S'il nous trouve pas, je rigole, hein. Mais normalement, il va nous trouver qu'un sort en zone, tu vois. Avec un sort en zone, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Une flamiche s'est ratée, il va retester une autre flamiche. Parce que là, on est tout prêt, hein, franchement. S'il n'y a plus d'office ivoire à la fin du tour, c'est parfait. Ça va être short. S'il ne trouve pas, honnêtement, ça serait parfait. Une dispé. Et attention, il ne nous a pas trouvé encore. Ouais, il ne nous a pas trouvé. Et oh, ça a marché ce que je disais. L'épidémie, du coup, qui déloque l'ivoire. Et du coup, on commence notre tour 3 sans ivoire. Et du coup, on va one turn le mec. Alors là, c'est le plus facile de one turn parce qu'il n'a pas tant de reste que ça. Hein. Donc, oh, ça passe, franchement, bien, enfin, j'ai à la fois bien géré, et à la fois, il a plutôt fail, hein, parce que, putain, on a de la marge, en plus, là, on le tue à 1000 points de vie de marge, quoi. À la fois, il a fail, parce que l'œil de taupe du tour d'avant, s'il l'avait pas cramé dans le vide, tu vois, là, il aurait fait œil de taupe dans la zone où j'étais, il m'aurait trouvé, j'aurais pas pu, enfin, si, j'aurais peut-être pu one tent quand même, je sais pas. Enfin, bref, dans tous les cas, il a un petit peu eu du mal, quoi. Et nous, on a eu un peu de chance. Il m'a insulté ma race, apparemment. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Bon, ça passe contre Osiris. Là, je suis content parce que c'est quand même un cran d'Office Ivoire qui était quand même en 12-6 sur papier, qui était quand même pas mal au petit. Hein, c'est cool. Je pense qu'on va essayer de trouver un dernier combat, les gars. N'hésitez pas à, voilà, mettre un maximum de likes pour cette vidéo si vous l'aimez bien. Vraiment, mettez un maximum de likes, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me motive, comme je vous le dis souvent. A tout de suite. Il est quand même à 4000 HP, ça va dépendre des crits. 1000 dégâts au perfid, c'est un crit, ça fait plaisir. On va faire une AM. Je pense que si je fais un seul crit sur les... Ah, quoi que ça va être short, hein. Non, ça va pas passer maintenant. Ça va pas passer maintenant. Ouh, c'est chaud quand même. Hein. Showstrap qui passe pas. Mais j'ai fait qu'un seul crit sur les trois sorts. C'est vrai qu'il y avait peut-être un crit en plus ou deux. Ouais, à mon avis, il me fallait deux crits de plus. Bon, le combat n'est pas terminé totalement. Parce que, bon, on est bien, évidemment, mais le mec va taper fort. Hein. Il va taper fort. En plus, là, il commence à se protéger un peu. Bon, par contre, il a pas le trait ardent.
Et nous, comme je vous l'ai dit, on n'a aucune résistance. C'est-à-dire que les dégâts qu'on prend, ça notre vita descend très vite. Hein. Et une libération de lancer, ok. Ok, ok. Parce que là, on lui fait pas les dégâts. Hein. Il y aurait 700 HP, c'est ça? On a 7 PM. 700 HP, 7 PM. C'est pas facile, honnêtement. Je déconne pas. Hein. Parce que je peux pas lui mettre double AM, surtout. C'est ça, le truc. Enfin, en vrai, si je peux lui mettre double AM, je crois. Quoique, non, attends. Non, je peux pas lui mettre double AM. Parce que je peux pas utiliser de répu. Ou alors, faut faire comme ça. Non, je peux pas non plus. Allez, on va essayer. Oh, ça passe contre ces super mages. C'était un peu chaud. À mon avis, je le tue pas de beaucoup. Hein, mais c'est passé comme dans ce super mage là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, mettez un maximum de likes. Alors oui, évidemment, j'ai perdu des combats pendant que je tournais la vidéo. Mais en fait, pour ce genre de vidéo, les gars, il n'y a pas vraiment d'intérêt de montrer les défaites. Parce que enfin, le but, c'est vraiment de s'amuser à faire un one turn. Donc, montrer des défaites, c'est juste parce que je me fais trouver sous un vieux ou truc comme ça. Franchement, pour ce genre de vidéo, il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Bon voilà, c'était Sapeu, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bonne soirée tout le monde, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres persos un peu bizarres et tout, vous connaissez les pareils.